Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve avec un personnage extraordinaire, vous avez certainement entendu parler. C'est quelqu'un qui a commencé l'hypnose en 68, qui a beaucoup écrit, qui a en 79, elle passe dans les thérapies par les vies passées, la régression, et puis elle invente sa propre méthode et elle fait des conférences et elle voyage dans le monde entier. Elle rencontre énormément de personnes. Elle nous laisse des livres qui sont un régal. Et moi, aujourd'hui, je vais vous présenter celui que je viens de dévorer. Ça s'appelle Les Trois Vagues de Volontaires et La Nouvelle Terre de Dolores Cannon. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une sommité dans ce domaine-là. Dolores Cannon qui nous a quittés en 2014. Ce livre a été écrit de mémoire en 2010. Moi, je viens de le découvrir. C'est fantastique. Ce livre, c'est un condensé en fait, c'est un condensé de ses travaux avec ses patients et à chaque, en fait, c'est des tranches de vie. C'est à chaque fois une hypnose avec un patient. Mais ce que vous allez lire là, ce que vous allez découvrir, ça va forcément résonner en vous parce que on part, alors avec dans l'hypnose, hein, elle dit qu'elle amène les gens sur ce petit nuage et soit ils descendent, soit voilà. Je vous laisse le découvrir, mais en tout cas, c'est passionnant, c'est fait de questions-réponses, ça se lit très 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 bien. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien en fait, on découvre tellement de choses intéressantes. On va parler alors, du karma, mais pas de la façon dont vous en avez entendu parler jusqu'à maintenant. Il en ressort que la planète Terre, c'est vraiment la planète où on peut faire toutes les expériences et on n'est pas là pour rien. Bon, si jamais vous ne le savez pas, moi je vous le dis, ça fait un moment qu'on dit, on a choisi d'être là, même si ça dérange quelques-uns, mais c'est une vérité. Même dans cette période un peu compliquée et un peu chahutée, c'est exactement ça. Ce livre, c'est un souffle, c'est un rafraîchissement, parce que grâce à ça, vous allez certainement comprendre des choses par rapport à vous, par rapport à ce qui se passe. Il faut savoir qu'on retrouve des infos qui ont été données pendant ces séances qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quoi. Qu'on est en train de vivre, c'est extraordinaire. Ça a été écrit en 2010, imaginez-vous. En 2010, on est en 2023, et c'est ce qui se passe depuis quelque temps. Et tu te dis, waouh, waouh. Donc ça, c'est ce qu'on vit. Il y a dans le passé aussi, parce qu'on va parler de la Lémurie, on va parler de énormément de choses. La matrice, on va parler de. Moi, j'ai pris des notes, mais il y en a tellement. Écoutez, je me suis régalée. On a peur pour le maintien de l'ancien. Il faut arrêter avec l'ancien. Enfin, c'est fantastique parce que on apprend, on découvre et ça fait résonance en nous. Ça va forcément changer des choses en nous, en vous. Ça va forcément vous permettre un autre regard, vous permettre d'autres compréhensions sur ce que vous vivez ou ce qui vous entoure. C'est juste magique. Voilà, c'est le livre magique de Dolores Cannon. Les trois vagues de volontaires. Elle en a écrit d'autres que j'ai pas encore lues, mais que je vais me précipiter à acquérir pour vous les présenter parce que c'est merveilleux. En tout cas, celui-là, vous pouvez commencer par celui-là. En plus, il est en livre de poche. Il a été édité chez Poche. Le Lotus et l'éléphant en poche, et c'est juste fantastique parce que vous pouvez l'amener partout et vous n'allez pas, une fois ouvert, vous n'allez pas le lâcher, les amis, vous allez voir, vous n'allez pas le lâcher. En tout cas, je vous souhaite une belle découverte si vous avez l'élan du cœur, uniquement si vous avez l'élan du cœur, car lui ne se trompe jamais. Je vous dis à tout bientôt, belle découverte. Je vous mettrai tous les liens en bas de la vidéo et n'hésitez pas à la partager et puis à vous abonner à la chaîne. Et voilà. Alors à tout bientôt, bye bye.